sujet que je voudrais aborder lors de ces quatre interventions, c'est pourquoi, dans nos Bibles, l'Évangile, qui est le cœur de la révélation de Dieu pour nous chrétiens, pourquoi dans nos Bibles, cet Évangile est-il précédé par ce qu'on appelle l'Ancien Testament et que, pour ma part, je préfère appeler Premier Testament. Quel est le sens du Premier Testament dans les Écritures? Pour cela, peut-être je vais poser deux positions qui sont en décalage par rapport à la lecture chrétienne. La première position, c'est dès le IIe siècle de notre ère, à Rome, un chrétien de Rome qui s'appelait Marcion a développé une opposition entre les deux testaments. Il disait que le Dieu du Premier Testament était le Dieu justicier, le Dieu vengeur, alors que le Dieu du Nouveau Testament est le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ et le Dieu d'amour. Donc cette opposition, et il a proposé d'enlever l'Ancien Testament de nos Bibles, et d'ailleurs même de réécrire un peu les évangiles pour ôter des évangiles ce qui était encore des références à ce Premier Testament, pour faire du christianisme une religion radicalement nouvelle par rapport à ses origines. Donc voilà, l'Église, dans sa sagesse, n'a pas retenu cette position. Elle a considéré que Marcion n'était pas à l'intérieur de la foi chrétienne. Il n'empêche que cette compréhension d'un Dieu de l'Ancien Testament sévère par rapport à un Dieu de l'Ancien Testament tout amour, c'est encore quelque chose qui traîne aujourd'hui encore dans nos églises. Donc voilà, donc, la première position, c'est la position de Marcion qui consiste à éluder, occulter l'Ancien Testament. La deuxième position, une position qu'on trouve dans l'islam. L'islam évoque aussi une référence au Premier Testament, mais l'islam a réécrit l'histoire qui a précédé afin de l'islamiser. Quelques exemples. Par exemple, Abraham, Ibrahim, dans le Coran, il est évoqué. Et à un moment, il y a une sourate du Coran qui dit que Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais qu'il était un vrai croyant soumis à Dieu. Autrement dit, c'était le premier musulman. On sait que dans le Coran aussi, ça n'est pas Isaac, mais c'est Ismaël que Abraham a sacrifié, enfin a voulu sacrifier. Et dans le Coran, on trouve aussi par exemple le personnage de Jésus. Et à un moment, il y a une sourate qui met dans la bouche de Jésus « Je suis un prophète envoyé par Dieu, mais un prophète plus grand que moi viendra, et son nom sera Ahmad. » Donc, on voit comment le but du Coran n'est pas de prendre le Premier Testament tel qu'il est, mais de le réécrire afin de l'islamiser. Et les musulmans disent que la vraie histoire, c'était celle qui était dans le Coran, qui avait été un peu détournée par les juifs et par les chrétiens, mais nous disons quelle est la vraie histoire. Alors, on voit bien qu'entre Marcion, qui veut éliminer le Premier Testament et le Coran qui veut islamiser le Premier Testament, la pensée chrétienne s'est située sur une troisième veine et qui consistait à conserver le Premier Testament comme une origine qui n'est pas lui, mais une origine qui est une source d'inspiration. Donc ce que je me propose, c'est d'essayer de cultiver, de rechercher quel est le sens de cette inspiration, donc à travers ces quelques conversations, ces quelques lectures. Ce que je me propose, c'est, on va avoir quatre rencontres. Dans les trois premières rencontres, je vais essayer de montrer comment est-ce que l'Évangile du Nouveau Testament cite, utilise, s'inspire du Premier Testament, donc avec, j'évoquerai aujourd'hui la question de la généalogie, puis dans une deuxième intervention, la question de la veine prophétique qu'on trouve dans les évangiles, qui puise dans les prophètes du Premier Testament. Dans une troisième intervention, j'évoquerai la question des psaumes, et puis enfin, dans une dernière intervention, j'essaierai de faire une synthèse pour répondre à notre question, quel est le sens pour l'Église d'avoir un Premier Testament qui est à la fois pas complètement elle, mais qui est quand même une source d'inspiration. Donc, on commence aujourd'hui par le premier point, qui est les généalogies. Pourquoi les généalogies? Parce que lorsque nous ouvrons le Nouveau Testament, le premier chapitre, c'est quoi? C'est une généalogie. L'évangile de Matthieu, qui est le premier évangile, commence par une généalogie qui égrène le nom d'une quarantaine de noms qui vont de Abraham jusqu'à Jésus afin d'inscrire Jésus
dans une histoire, dans une généalogie. Avant d'étudier cette généalogie, peut-être un peu plus précisément, je voudrais faire quelques points sur le sens de l'histoire. Dans l'Antiquité, les hommes, les écrivains, n'avaient pas le même rapport à l'histoire que nous, les modernes. Nous, aujourd'hui, dans l'histoire, ce que nous cherchons à faire, c'est avoir la vue la plus objective possible de la façon dont vivaient nos ancêtres, la façon dont les événements se sont enchaînés. Et donc, je dirais, la qualité d'un récit historique est tributaire de son exactitude. Dans la perspective de l'Antiquité, la pensée, la compréhension, l'appréhension de l'histoire était assez différente. Les auteurs posaient une problématique au départ, et après, ils montraient comment la succession des événements venait confirmer leur problématique. C'est-à-dire que le but de l'histoire n'était pas de raconter objectivement la vie de nos ancêtres, mais essayer de développer une thèse. Et nous trouvons ça, tous les historiens d'Antiquité, Thucydide, Hérodote, Tacite, Flavius Josèphe, tous utilisaient l'histoire de cette façon-là. Et si les auteurs de l'Antiquité le faisaient, les auteurs bibliques bien sûr aussi. Et donc, la question que nous nous poserons en lisant ce premier chapitre de l'Évangile de Matthieu, cette généalogie de Matthieu, ce n'est pas de dire, elle ne nous dit pas quel était le nom des ancêtres de Jésus, quel était le nom de son grand-père, son arrière-grand-père et de ses différents aïeux. Derrière cette généalogie, il y a un message qui nous est transmis. Comment repérer ce message? Alors, on va essayer d'aborder cette généalogie un peu précisément. Et dans cette généalogie, on trouve deux particularités. La première particularité, c'est que, alors qu'elle est essentiellement patrilinéaire, c'est-à-dire qu'elle passe par les hommes, un tel était fils d'eux, enfin voilà, c'est de père en fils que la cascade des générations se décrit. Dans cette généalogie patrilinéaire, dans laquelle il y a le nom de 40 hommes qui sont cités, il y a l'irruption de quelques femmes. Alors, je vais lire le début de cette généalogie. Livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Phares et Zara de Tamar. Phares engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Amminadab, Amminadab engendra Nahasron, Nahasron engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Jobed de Ruth, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David, David engendra Salomon, la femme d'Uri. Donc on voit qu'il y a quatre femmes qui apparaissent dans cette généalogie, donc qui sont successivement Tamar, Rahab, Ruth et celle qui est appelée la femme d'Uri, dont nous savons qu'elle se nomme Bethsabée. Alors, bien sûr, si Matthieu a injecté quatre femmes dans sa généalogie, c'est bien sûr qu'il avait un message à nous transmettre. Et lorsque nous regardons un peu attentivement, lorsque nous lisons l'histoire de ces femmes, eh bien, nous nous rendons compte qu'elles ont eu la particularité en commun d'avoir eu une vie pas complètement rectiligne, d'avoir une vie plutôt agitée. Prenons-les très rapidement. Tamar était une femme cananéenne qui a épousé le fils de Judas, et puis le premier fils meurt. Au nom de la loi du Lévirat, qui est une loi qui disait que lorsqu'un homme était décédé sans avoir eu d'enfant, la veuve devait épouser son frère afin de donner une descendance au premier frère. Donc, au nom de cette loi-là, un deuxième fils est accordé à Tamar, qui meurt à son tour, et Judas a un peu des réticences à offrir son troisième fils à Tamar, parce qu'ils doivent se dire que cette femme porte un peu la poisse. Donc, il retarde, mais Tamar, son droit n'est pas reconnu, parce que si elle n'est pas épouse d'eux, comment peut-elle vivre? Et d'une certaine façon, elle va forcer Judas à le reconnaître, et pour ça, elle va se déguiser en courtisane, et puis elle va se mettre sur le chemin de Judas, et Judas va avoir une relation avec elle, une relation qui était donc incestueuse parce que Judas était son beau-père, et elle s'était déguisée en prostituée, je veux dire.
cette relation a été féconde, et finalement, Tamar se laisse révéler à Judas. Et quand Judas comprend ce qu'elle a été, Judas a dit de Tamar, elle est plus juste que moi. Je vous rappelle que Judas, c'est quand même l'ancêtre éponyme, je veux dire, celui qui a donné son nom, Judas, judéen, juif, donc celui qui a donné son nom au peuple, celui-là a dit de cette femme cananéenne qui était prostituée et incestueuse, elle est plus juste que moi. Donc, Tamar. La deuxième, Rahab. Rahab, la prostituée de Jéricho. Les commentaires disent que Rahab était à la tête du lupanar, le plus connu de tout le Moyen-Orient, enfin, je veux dire qu'il était. Mais Tamar, lorsque Josué a envoyé des espions à Jéricho pour essayer de prendre le pouls de la ville, les espions se sont retrouvés dans la taverne de Tamar, et lorsque des gardes du roi ont voulu poursuivre ces espions, Rahab les a cachés et a envoyé les gardes dans une fausse direction. Autrement dit, qu'a-t-elle fait? Elle a accueilli et protégé des Juifs chez elle. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, cette attitude s'appelait être injuste. Cette Rahab pratiquait peut-être le plus vieux métier du monde, mais ça a été la première des justes. Tamar, Rahab, ensuite Ruth la Moabite, Ruth dont le récit est le récit d'une immigration. Ruth et Noémie, sa belle-mère, sont deux veuves qui se retrouvent à Bethléem, obligées de mendier parce qu'elles n'ont rien pour vivre. Et à ce moment-là, la plus âgée, Noémie, dit à la plus jeune Ruth, il y a un riche cousin qui peut nous être favorable, débrouille-toi pour te coucher à ses pieds, débrouille-toi pour le séduire, afin, alors, nous ne mourrons pas de faim. Et donc, Boaz, le nom de ce cousin, a eu effectivement une relation à Ruth, et le fils qui est né de cette relation a été le grand-père de David. Ce qui est intéressant dans le livre de Ruth, c'est qu'on nous dit que Ruth était une Moabite. Or, dans la Bible, Moab est un peuple maudit pour les Hébreux. Maudit pourquoi? Parce que l'ancêtre éponyme Moab, souvenons-nous, était le fruit de l'inceste des filles de Lot avec Lot. Et Moab, qui a refusé l'entrée du peuple en terre promise, c'est la raison pour laquelle un verset du Deutéronome dit « Jamais Moab n'entrera dans le peuple d'Israël ».« Jamais Moab n'entrera dans le peuple d'Israël ». Et pourtant, David a eu une arrière-grand-mère moabite. D'une certaine façon, donc, cette histoire montrait comment Ruth est arrivée à sortir de la malédiction qui pesait sur son peuple pour pouvoir entrer par effraction dans la généalogie d'Israël. Donc, on continue. Tamar, Rahab, Ruth, et puis la quatrième femme, qui est évoquée dans la généalogie, c'est celle qui est présentée comme étant la femme d'Uri. On sait que Bethsabée est la femme avec laquelle David a commis un adultère et David a fait tuer son mari, donc une femme là aussi qui a des origines dans l'histoire plutôt sulfureuses. Mais Bethsabée qui a eu un deuxième enfant, ce deuxième enfant a été Salomon et après elle s'est battue, elle a intrigué pour que ce soit Salomon qui soit le successeur de David. Alors on voit comment ces quatre femmes. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quatre femmes dans la généalogie et puis il y a une dernière qui est citée, c'est Marie. Je trouve que peut-être que l'analogie ou la filiation féminine de cette généalogie qui vont de ces quatre femmes à Marie est intéressante parce qu'elle nous fait sortir Marie de cette image de un peu Saint-Sulpicienne, de la jeune fille effacée, timide, soumise à Dieu, mais plutôt elle appartient à cette tradition des femmes combattantes, des femmes qui se sont battues pour faire valoir leurs droits, qui se sont battues pour la vie. Et oui, il en a fallu quand même du courage pour Marie, pour porter son enfant au milieu de ce qui n'a pas manqué d'être les commérages de son village, car à l'époque de Jésus, autant qu'aujourd'hui, l'histoire de conception virginale, je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait comprise ou l'ait acceptée sans sourire et sans sarcasme, et pourtant, Marie a maintenu ferme. Donc on voit comment cette généalogie, toute généalogie masculine, parce qu'à cette époque-là, c'était par les hommes que se transmettait la filiation, mais on voit comment Matthieu, dans cette généalogie, introduit ces femmes
Et ces femmes qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu une vie totalement droite et vertueuse, mais qui ont été des combattantes de la vie. Ces femmes ont été là pour mettre en application le fait que parfois la vie est plus importante que la morale. On sait qu'à l'époque de Jésus, enfin, parmi les sages dans l'Ancien Testament, une question qui était régulièrement posée était celle de ce qu'on appelle la hiérarchie des commandements. C'est-à-dire que quand il y avait deux commandements qui étaient en conflit l'un avec l'autre, lequel devait l'emporter sur l'autre ? Je vais donner juste un exemple. Par exemple, lorsque il y a, par exemple, si jamais vous marchez un jour de sabbat, vous êtes au bord d'un lac et il y a un enfant qui se noie. Au nom du sabbat, vous n'avez pas le droit d'aller le sauver. Mais au nom de l'impératif de sauver un enfant, vous devez aller le sauver. Eh bien, les sages disent, le fait de sauver un enfant est plus important que le respect du sabbat. Conclusion, on doit, au prix de le non-respect du sabbat, aller sauver l'enfant. Vous voyez, il y a des commandements qui sont plus importants que d'autres. Eh bien, Matthieu, en injectant ces quatre femmes dans la généalogie de Jésus, vient nous dire que ces femmes-là, par leur parce qu'elles ont été des combattantes, parce qu'elles ont été des combattantes de la vie, eh bien, elles sont honorées plus que des femmes qui ont été plus effacées peut-être et qui ont eu une vie plus vertueuse. La deuxième caractéristique de cette généalogie, c'est dans le dernier verset qui dit la chose suivante. Il dit « Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation de Babylone et 14 de la déportation de Babylone au Christ. » Donc la généalogie telle que la décrit Matthieu se fait par trois groupes de 14. Alors, bien évidemment, le nombre 14 ici a une valeur symbolique. On sait bien qu'il n'y a pas eu exactement 14 générations d'Abraham à David, 14 de David à la déportation, 14 de la déportation à Jésus, mais qu'il y a autre chose qui nous est donnée derrière ce nombre-là. Alors 14, qu'est-ce que c'est ? C'est pas évident de savoir quelle est la symbolique du nombre 14. Alors 14 c'est 2 fois 7, 7 c'est le nombre parfait, oui, mais 2 fois 7, pourquoi ? Pas bien. Eh bien, le texte dit exactement, il y a 14 générations d'Abraham à David et 14 générations de David à déportation à Babylone. Et ces 2 fois 14 fonctionnent un peu comme un cycle. De Abraham à David, il y a une compréhension de l'histoire qui est une compréhension de l'histoire croissante. Hein. Dieu dit à Abraham, je te donnerai une terre et une descendance. Et d'une certaine façon, cette promesse trouve son accomplissement en David, ou au moment du règne du roi David, eh bien, c'est, le peuple a trouvé une unité, il a un roi, il a une armée, il a une terre, il est respecté de ses ennemis, bientôt avec le fils de David, il aura un temple, donc la promesse faite à Abraham trouve son accomplissement, et le problème c'est que dans les 14 générations qui vont suivre, eh bien, tout ce qui a été gagné va être perdu, et 14 générations après, c'est le moment de la déportation, en 587 avant Jésus-Christ, la chute de Jérusalem, et le peuple se retrouve au point de départ, c'est-à-dire se retrouve exilé en terre d'Orient. 14 générations de croissance, 14 générations de décroissance, et bien sûr cette symbolique-là évoque pour nous le cycle de la Lune. On sait donc que le cycle de la Lune est un cycle de 28 jours, et dans ces 28 jours, il y a 14 jours pendant lesquels la Lune croît, et 14 jours pendant lesquels elle décroît. Et donc, lorsque Matthieu, dans sa généalogie, dit voilà, 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation, et 14 de la déportation à Jésus-Christ, et bien, d'une certaine façon, il vient poser Jésus-Christ sur un autre sommet de l'histoire qui avait déjà été occupé par David. Et en cela, on pose déjà, par cette lecture particulière de l'histoire, on pose déjà Jésus comme un nouveau David, ce qui est une évocation messianique. Donc on voit à travers ces deux exemples comment dans cette généalogie, il y a vraiment déjà un message qui nous est adressé. Et ce message, c'est alors un message particulier que dit Matthieu, hein, avec l'histoire de ces femmes, avec l'histoire de ces cycles de 14 générations, mais qui nous dit surtout un Dieu qui vient nous rencontrer à travers l'histoire.
Et pour terminer, je voudrais peut-être dire que, en gros, dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire des religions, il y a plusieurs façons d'appréhender Dieu. D'abord, d'appréhender le divin. La première façon, c'est d'appréhender le divin à travers le sacré. À travers le sacré, c'est-à-dire qu'il y a des lieux qui sont sacrés et des lieux qui ne le sont pas. Il y a des rites à accomplir pour accéder au sacré. Et d'une certaine façon, en accomplissant les bons rites, en accomplissant les bonnes attitudes, on a accès au divin à travers le sacré. Donc ça, c'est une compréhension du divin à travers le sacré. Une autre compréhension du divin, c'est une compréhension du divin à travers le savoir, en disant, voilà, nous devons apprendre pour connaître, pour dévoiler quelle est la personne de Dieu. Et à ce moment-là, c'est par la connaissance que l'on a accès à Dieu. Hein. Donc, par le sacré ou par le savoir. Et puis, il y a une troisième compréhension, qui est une compréhension, une appréhension de Dieu par l'histoire. C'est-à-dire, Dieu, c'est celui qui vient me rejoindre dans mon histoire et c'est à travers sa présence dans son histoire, la façon dont je peux relire ma propre histoire et de voir comment elle est accompagnée, que je peux comprendre le sens et la présence de Dieu dans mon existence. Eh bien, en commençant son évangile par une généalogie, Matthieu, l'évangile, le Nouveau Testament, inscrit Dieu comme étant un Dieu qui se révèle dans l'histoire. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si jamais, d'une certaine façon, lorsque Dieu, pour nous chrétiens, nous considérons qu'il s'est révélé de façon la plus entière dans le monde, il ne l'a pas fait en nous transmettant un livre qui s'appellerait « Dieu, sa vie, son œuvre », avec trois parties, la physique, la métaphysique et l'éthique. Le livre aurait été un peu épais, mais en travaillant bien, on aurait arrivé à mieux le connaître. Non, il n'a pas fait ça. Il ne l'a pas fait en disant « Il y a un lieu sacré, venez dans ce lieu sacré, vous rencontrerez Dieu ». Non, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait en devenant un enfant qui est né dans l'hygiène douteuse d'une étable et qui est mort sur le gibet. C'est-à-dire, il est rentré dans l'histoire. La parole a planté sa tente parmi nous, dit l'évangile de Jean. Et bien, d'une certaine façon, c'est cette inscription, cette appréhension de Dieu à travers l'histoire que nous trouvons dans cette généalogie qui commence le Nouveau Testament et qui nous permet de comprendre la présence du Premier Testament avant le nouveau.